Ceci n'est pas un plateau de cinéma. Voici le magnifique bungalow de Monsieur Jay Singh. Saviez-vous que Monsieur Jay Singh a remporté le prix du meilleur homme d'affaires de l'année? Ce n'est pas étonnant, puisque cela fait maintenant 6 ans de suite qu'il remporte ce prix. Monsieur Harshvardhan Jay Singh est le propriétaire des entreprises Harshvardhan. Non seulement au sein de l'industrie hôtelière, mais dans celle du pétrole, de l'énergie et du textile. Monsieur Jay Singh défie toute compétition. Monsieur Jay Singh, propriétaire d'un empire capitalisant plus de 500 milliards, a organisé une soirée dans sa demeure afin de célébrer cette réussite. Mais malheureusement, les médias n'ont pas la permission de participer à cette célébration. Monsieur Jay Singh a toujours veillé à garder sa vie privée et familiale à l'abri des regards médiatiques. Monsieur Jay Singh a promis de nous rejoindre après la fête. Alors restez à l'écoute. J'aimerais bien pouvoir aller à l'intérieur. J'ai entendu dire qu'il y avait un superbe ascenseur de verre dans sa maison. Je vais entrer. Mais qu'est-ce que tu dis? Ce monsieur Jay Singh n'aime pas les médias. Nombre d'entre eux sont déjà venus avant pour les espionner. Dis-lui ce qui est arrivé. Ils ont tous perdu leur boulot. Je m'en fiche. Pour parvenir à ses fins, il faut parfois en passer par là. Dès que j'en aurai la chance, je vais... Monsieur Singhania est arrivé. Dépêchez-vous. Que les étoiles sont tombées sur terre. C'est vraiment magnifique. Le gratin de la ville de Mumbai. La crème de la ville. Waouh! De plus, pensez à quelqu'un et vous le croiserez ici. Waouh! Dans cette soirée où se côtoient gloire et beauté, celui que je recherche n'est autre que l'hôte de la célébration. La raison de la tenue d'un tel événement. Monsieur Harshvardhan. Le voici. Félicitations, monsieur Harshvardhan. Félicitations, monsieur. Mais celle que je recherche vraiment est madame Sita Devi, l'épouse de monsieur Harshvardhan. Que personne n'a encore aperçu. Parvenir à la filmer avec ma caméra vidéo me permettrait vraiment de réaliser un exploit pour ma carrière professionnelle. Pardon, pardon, madame. Je suis vraiment navrée. Non, ce n'est rien. Je suis Maithili. Mademoiselle Harshvardhan Jay Singh? Oui? Oui. Puis-je vous parler un instant? De quoi vous voulez parler? Eh bien, de vous, de votre famille, de votre époux, et un peu de tout. Vous êtes l'épouse d'un des hommes les plus fortunés. Ça vous fait quoi? Oui. Mais au fait, je ne vous connais pas. Vous, qui êtes-vous? Mais je... Excuse-moi. Maithili? Que se passe-t-il? Bhumi, ma chère, elle veut parler avec moi. Êtes-vous journaliste? Non, je voulais juste... Écoutez,
Papa n'a pas invité la presse à entrer ici. Alors s'il vous plaît, partez. Je suis certaine qu'il vous parlera plus tard. D'accord ? Belle-sœur, vous ne devriez pas parler à des étrangers. Je ne connais personne à cette soirée. C'est la première fête à laquelle j'assiste depuis le mariage. Où est Yash ? Bonjour, je suis Yash. Bonjour, moi c'est Monica. Voici Yash Vardhan Jaisingh. Laissez-moi vous apporter un verre, d'accord ? Je dois faire attention. Monsieur Yash Vardhan Jaisingh, le second fils d'Harshvardhan. J'ai beaucoup entendu parler de sa réputation de coureur de jupons. Je recherche maintenant le sublime et charmant Aryan Jaisingh. Mais avant toute chose, Sita Devi. Tiens, la voilà. Il est rare de trouver de nos jours une épouse qui n'ose pas boire une goutte d'eau sans l'accord de son époux. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je suis Arundhati. Puis-je vous parler deux petites minutes ? Un problème ? Vous désirez quelque chose ? Non. Votre demeure est si magnifique. Merci. Madame Sita Devi, je voudrais vous demander, en tant que propriétaire d'une si belle demeure, la tendre moitié d'un homme accompli tel que Monsieur Jaisingh, qu'en est-il de votre vie personnelle ? Qui êtes-vous ? Êtes-vous une journaliste ? Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me posez plus de questions, s'il vous plaît. Une question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne posez aucune question. Partez. Comment êtes-vous entrée ? Qui vous a permis d'entrer ? Monsieur, mais je... Faites-la sortir. Par la porte arrière. Bien, monsieur. Sans qu'on la voie. Et prenez soin à ce qu'elle ne remette plus les pieds ici. C'est compris. Monsieur, une dernière question. Monsieur, s'il vous plaît. Dans ma demeure, on obéit à mes ordres. Alors partez. Partez. Attendez une minute. Remboursez-la. Pour ceci. Monsieur. Sita ? Je ne vois pas Aryan. Où est-il ? Aryan ? Ceci est pour mon père ! Monsieur, les médias n'attendent que vous. Excusez-moi. Merci. Monsieur Arsh, le monde est au fait de votre réussite professionnelle. Mais monsieur Arsh, parlez-nous un peu de votre vie personnelle aujourd'hui, s'il vous plaît. Vie personnelle ? Vie personnelle ? Eh bien, je suis un époux comblé. J'ai deux superbes filles. Et trois fils. Aryan Jaisingh, Yash Vardhan Jaisingh, comme vous le savez. Et qu'en est-il de votre plus jeune fils ? Pourquoi Akash n'est-il pas ici ? Ne fait-il pas partie de votre entreprise ? Bien plus que la terre, Akash aime le ciel. Il adore voler. Et je ne me mets pas en travers des rêves de mes enfants. Monsieur, vous avez trois fils, mais une seule belle-fille au sein de votre famille. Le jour où Akash arrêtera de piloter autant, nous le marierons aussi. Et à propos de Aryan, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de son mariage ? Aryan a déjà été marié. Je pense que vous connaissez tous la tragédie. Oui. Jenki a eu une très courte vie. Il ne peut y avoir plus grande tragédie que sa mort si soudaine. Mais cela fait des années depuis l'incident.
Et si je ne m'abuse, 6 ou 7 ans, non? 5 ans et 3 mois. Ah oui. Mais monsieur, n'avez-vous jamais pensé à vous remarier une nouvelle fois? Qu'y a-t-il? Aurais-je peut-être dit quelque chose de mal? Non. J'aimais ma femme, Junkie. Je porte encore en moi la douleur causée par sa perte. Et elle me manque toujours. Mais la vie continue, Ariane. Et ne croyez-vous pas que vous méritez une seconde chance? Pour le bien de votre fille, Yuvi. Elle a besoin de l'amour d'une mère. Elle est si jeune. Et au cours de ces 5 années et 3 mois, vous n'avez encore trouvé aucune femme capable de vous faire oublier la disparition de Junkie? Monsieur Archvarden, pourquoi ne pas l'avoir convaincu? Vos ordres ont toujours été respectés par votre famille. Non? Alors le public veut savoir pour quelle raison il ne sait pas encore... Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quel genre de questions posez-vous? Et pourquoi donc vous intéressez-vous tant à notre vie personnelle? Eh bien, même nos auditeurs veulent connaître les raisons expliquant le refus d'Ariane de se remarier. Même la mort de Junkie n'était pas moins mystérieuse. Vous, vous feriez mieux de ne pas prétendre à des raisons aussi stupides pour obtenir les réponses à vos questions. Dites à vos auditeurs qu'Ariane se remariera. Et très prochainement. Nous cherchons une fille belle et bien éduquée. Quand nous l'aurons trouvée, vous en serez informé en temps voulu. Monsieur, vous avez 3 fils, mais une seule belle-fille au sein de votre famille. Eh bien, même nos auditeurs veulent connaître les raisons expliquant le refus d'Ariane de se remarier. Même la mort de Junkie n'était pas moins mystérieuse. Dites à vos auditeurs qu'Ariane se remariera. Et très prochainement. Pourquoi as-tu parlé du mariage d'Ariane? Je ne veux pas écouter des questions dont je n'ai pas les réponses. J'en ai vraiment marre de tout ça. Regarde. Regarde-les. Particulièrement ça. Cette fille. Il semblerait vraiment qu'elle n'avait plus aucune question à poser. À part sur le mariage d'Ariane. Mais après ce qu'il s'est passé... La dernière fois, même après ça, tu veux... Si ta jeune n'avait vraiment aucun autre moyen de... faire cesser les bruits qui couraient. C'était vraiment la seule manière. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et le temps est encore venu de les faire taire. Peu importe qui me regarde dans les yeux et me pose cette question. Je n'en peux vraiment plus. Ariane se mariera. Et cette fois, crois-moi, notre belle-fille ne sera pas du tout comme Junkie. Mère, après tant d'années, je sens les foudres s'abattre sur ma maison. Mon époux veut que notre fils Ariane se remarie. Protège cette fille. Je t'en supplie, protège cette fille. Peu importe qui elle est, seul toi peux la sauver d'une telle infortune. Seul toi peux le faire.
Vaidehi, toujours aussi pressée. Donne-moi ta bénédiction. Qu'est-ce que tu fais? Tata, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah! Et je dois rechercher la bénédiction des anciens. Je te bénis. Puisses-tu avoir une belle famille, un bon mari et... Et beaucoup, beaucoup d'enfants. Enfants? Tata, c'est la plus belle des joies qu'on peut connaître quand on se marie. Tu as tant d'enfants avec lesquels jouer. Tu sais, Tata, moi, j'adore les enfants. Je suis sûre que mère exaucera tes vœux. Dis-moi, Tata, comment va ton genou? C'est à cause de mon âge, ça continue. Ne dis pas ça, Tata. Il faut que tu laisses tes petits-enfants sauter sur tes genoux. Lève-toi tôt le matin, fais de l'exercice, du sport, du yoga, de la natation. Stop. Promis, je le ferai. Mais d'abord, tu me dis une prière ou il sera trop tard. Je dois partir. Ok, mère. Tu sais combien il est difficile d'expliquer toutes ces choses aux anciens. Ils n'écoutent pas. Mais toi, s'il te plaît, essaie de calmer ces affreuses douleurs au genou de Tata. Mon père, lui aussi, il ne se sent pas bien. Il s'affaiblit de jour en jour. Mais écoute, n'est-ce pas mauvais de ne pas prendre bien soin de sa santé? Tu sais, il s'inquiète tellement pour sa promotion et surtout pour mon mariage. Mère, mon mariage. Mais c'est pas vraiment important. Mais s'il te plaît, accorde une bonne promotion à mon père et au plus vite. Oh là là, ah oui, j'ai oublié de te dire encore une chose à propos des enfants de mon quartier. Oh, s'il te plaît, mère, fais quelque chose. Pinto demande à son papa un jeu vidéo depuis l'an passé. Son papa ne lui en a pas acheté. Mère, s'il te plaît, offre-lui-en un. Permets-lui d'avoir un jeu vidéo cette année. Merci, mère. Bonjour Chaya. Salut. Une offrande. Bonjour. Ah papa, je suis contente de vous voir. J'ai amené des offrandes provenant des gens du temple. Dépêche-toi, je suis très occupée. Oui papa. Ah, oh mon Dieu. Ah. Ah, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Monsieur, pardon. Téléphone. Ah. Merci. Monsieur, voici ma fille Vaidehi. Elle est diplômée, en âge de se marier. Elle est encore un peu immature. Pardon. Pardon, monsieur. J'étais à Bangalore, alors je ne pouvais pas assister à votre fête. J'ai vu votre interview à la télé. Bravo. J'étais heureux d'apprendre que vous aviez décidé de remarier Ariane. Nous sommes venus vous voir pour cette raison. Arche, notre amitié est de longue date. Et si nous la transformions en une relation un peu plus familiale? J'ai emmené ma fille Pooja comme prétendante pour ton fils Ariane. Mittal, tu es juste un peu en retard. Tu sais, j'ai déjà choisi une fille pour Ariane. Quoi? Aussi vite? Oui. J'ai organisé l'alliance. Mais qui est la chanceuse? Tu sauras bientôt.
Nous allons l'annoncer dans un jour ou deux. Je suis vraiment navré d'avoir... à ne pas accepter ta proposition. Aucun problème, Arch. Je peux comprendre. On y va ? Au revoir. Tu as vraiment choisi une fille pour Ariane ? Sita, tu sais bien qu'on ne peut pas arranger l'alliance d'Ariane avec les Mittal. Mais tu as dit à Mittal que tu avais déjà choisi une fille pour Ariane. Et Mittal va répandre la nouvelle dans toute la ville dès maintenant. Où vas-tu aller chercher une belle fille ? Dans cette ville... Tu sais, il y a beaucoup de familles pauvres qui ne rêvent que d'une seule chose. Que leurs filles parviennent enfin à se marier. Et il n'y a pas une seule fille dans cette ville qui refuserait de devenir la belle-fille de la famille Jasing. Les gens arrêteront enfin de parler. Et pour le moment, il est nécessaire de faire cesser les commérages.